www.casarema.fr. L'unique assemblée de l'Évangile éternel vous invite à prendre part à une exposition des corps que nous allons faire. Proverbe 20:12. L'œil qui voit, l'oreille qui entend, c'est Dieu qui les a créés l'un et l'autre. Cependant, quand Noé parle, les animaux entendent. Venez écouter le pourquoi de cette chose le samedi 13 décembre à l'Assemblée des Saints de Paris-Montreuil. Par manque de connaissance, tu péris. Non seulement toi, mais ton mari et tes enfants. Alors lève-toi et viens. Selon Daniel chapitre 12, verset 4, Dieu va demander à Daniel de cacher un livre. Et par la suite, il va prophétiser en disant, plusieurs le diront et la connaissance augmentera. Venez donc savoir pourquoi les frères de Joseph ont trempé sa tunique dans le sang de l'animal. Pourquoi toujours l'animal? C'est qui nous amène à comprendre le mystère qui se cache le sixième jour. Dieu crée l'homme et l'animal. Venez en prendre l'explication le samedi 13 décembre à l'Assemblée de Paris, Montreuil. Merci. Proverbe 16:4. Dieu fait toutes choses avec un but. C'est avec un but qu'il créa l'homme et l'animal le même jour, le sixième jour. Quel est le rôle de l'animal? Venez, nous avons l'explication de ces choses. C'est ça l'Évangile éternel. Le peuple de Dieu meurt par faute de connaissances. La connaissance que Dieu a promis pour le temps de la fin est enfin là. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ça la véritable délivrance. C'est en entrant dans la connaissance. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, il faut connaître pour être sauvé. Parce que nous, nous détenons les corps. Que les aigles viennent pour boire du sang. Www.